Topaz Vidéo, logiciel vidéo sur Windows, Topaz Vidéo AI. Donc je vais vous faire voir ça. Je vais déjà créer le raccourci, je l'ai déjà installé. Alors il est dans, voilà, ici, il est installé ici. Alors je vais créer le raccourci du lanceur, il est là. Envoyer vers bureau, créer un raccourci. Donc je vais lancer le logiciel sur VirtualBox. Alors bien entendu, c'est cette fenêtre là qu'il faut regarder. Je vais mettre en plein écran. Donc le logiciel se présente comme ça, c'est tout simple, c'est tout simplement fait pour améliorer l'image de votre vidéo. Si elle n'est pas terrible, ça améliore un peu la vidéo. Ne vous attendez pas non plus à quelque chose de super révolutionnaire. Ça améliore un peu après. Voilà, il y a des choses en informatique qu'on ne peut pas faire. Donc, je vais déjà vous faire voir le dossier d'installation. Il est là. Ouvrir l'emplacement du fichier. Donc, je suis là. Je suis dans l'explorateur Windows. Et ici, on a bel et bien translation. On a bien anglais, français. Les autres langages, italien, etc., je les ai supprimés parce que j'en ai pas besoin. Bon, moi, je fais toujours ça. Donc, voilà, les langages, ils sont là. Et c'est bel et bien, donc, ils appartiennent bien à Topaz. Donc, vous voyez, on a pas mal de langages. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, impossible de changer le langage dans ce logiciel. Une boulette ou quoi, j'en sais rien. Si je fais « File », ici, on a « Préférences ». Si je fais « Edit », il n'y a rien. « View », il n'y a rien. Là, il n'y a rien. « Help », rien du tout. Donc, la seule option pour changer le langage, c'est dans « Préférences ». Ici, on n'a rien du tout. Processing, non, pas de langage. Directory, bah non. Output, non. Interface, et malheureusement. Interface. On n'a rien. On ne peut pas mettre en français. Normalement, ça aurait été dans interface. Advanced, encore moins. Je ne sais pas qui c'est qui m'a pondu ce logiciel, mais il serait bien de revoir votre logiciel. Alors, je ne sais pas s'il y a un seul développeur ou plusieurs, mais en tout cas, la preuve, c'est qu'il n'y a aucune case où on peut définir le langage. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer, et c'est déjà pas mal.